Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons faire donc deux étoiles. J'ai pris deux étoiles différentes. Attention, ce n'est pas une création, c'est une réalisation. C'est deux étoiles qui viennent d'Internet. Hein. J'avais trouvé le modèle sympa. Donc, je vous le fais en vidéo pour que ce soit accessible à tout le monde. Une qui est plutôt en pointe, l'autre plutôt arrondie, mais j'adore les deux. Vous pourrez donc les utiliser à votre guise, comme vous voulez, où vous voulez, autant de fois que vous voulez, les couleurs, la tout. Moi, je vous donne les bases. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, petite déco de Noël qui peut être fort sympathique. Allez, c'est Pour parti. réaliser donc les deux étoiles, j'ai utilisé ce coton. Alors, je n'ai plus l'étiquette. Hein. Voilà. En tout cas, c'est du coton mercerisé, ça c'est sûr. C'est du coton que vous pouvez trouver un peu partout. Et il se crochette en 2,5. Voilà. Avec 2,5, vous êtes tranquillou, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, en quantité, c'est mini, mais voilà. On peut faire avec une pelote 3 milliards d'étoiles. Hein. Bon. Toutefois, je précise. Vous pouvez utiliser un fil de votre choix. Vous pouvez prendre l'acrylique, du coton simple, hein, pas forcément mercerisé. Sachant que plus le fil il est épais, plus l'étoile sera grosse, hein, et inversement. Et en plus, ça dépend de l'utilité que vous avez des étoiles. Pour mettre sur une table ou sur un sapin, sur un mur. Voilà, à vous de jongler un petit peu avec le fil suivant l'utilité de vos étoiles et les goûts de chacun. Voilà. Prenez aussi un petit marqueur. Hein, vous en aurez besoin une ou deux fois. Donc, du fil, du crochet, un marqueur, la vidéo. C'est parti! Alors, pour faire cette jolie étoile, on part sur un cercle magique. Alors, ici. Maintenant, on va faire j'étais en train de calculer, excusez-moi, 12 mailles serrées. Alors, vous me faites donc une première petite maille en l'air. Alors, je vais zoomer pas mal parce que c'est un fil qui est assez fin. Et à partir de là, 12 mailles serrées. Donc, une. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et 12. On serre, voilà, légèrement, pas trop, hein, pour pas tout écraser. On serrera plus tard. Hop. Et à partir de là, bien sûr, vous me faites la maille coulée dans la première maille pour clôturer. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ça compte pour une bride. Je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je vais dans la maille suivante, une bride. Maille suivante. Une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc vous avez bien compris. On va faire ça tout le long du rang. Donc une bride, une bride. 1, 2, 3. Dans la maille suivante. Une bride. Une bride.
1, 2, 3. Allez, c'est parti pour qu'on fasse ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. 1, 2, 3. Et là, on ferme dans la troisième maille en l'air. Ici, en haut, on fait une maille coulée. Ah, moi j'aime bien piquer. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère. Ensuite, une maille en l'air. Dans, ici, dans la maille suivante, vous me faites une maille serrée. Voilà. Hop. Une maille serrée. Ensuite, dans l'espace, ici, on va faire une demi-bride. Donc le jeter, je rentre à l'intérieur et je fais toutes les boucles. Ensuite, une bride toujours dans l'espace. Hop. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Toujours dans le même espace, une bride. Une demi-bride. Ensuite, ici, dans les petites maille qui correspond au bridin, on va faire une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième, et on arrive ici dans l'espace où on va faire exactement ce qu'on a fait ici. Donc demi bridin, une bridin, quatre mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, la bride, la demi-bride, et ici sur les petites mailles, une maille serrée, une autre maille serrée, et on recommence dans chaque espace. Ici, on fait les petites pointes. Voilà. Hein? Demi-bride. Une bride. Quatre mailles en l'air. Une bride. Une demi. Et ici, maille serrée. Maille serrée, et on recommence. Un éternel recommencement. Oula. Un éternel recommencement, ce que je disais avant de me tromper. Voilà. On a tellement l'habitude de faire des brides que ça se fait tout seul. Voilà, elle prend forme. Allez, on continue, on se rejoint ici pour finir. Et continuez. Donc là, vous avez fait une maille coulée pour finir sur la maille en l'air qu'on a fait tout au début. Voilà. À partir de là, vous faites une, deux mailles en l'air. Vous mettez un petit marqueur sur la première maille en l'air que l'on a fait. C'est pour repérer, pour pouvoir finir correctement. Vous rentrez dans la maille de la demi-bride, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans l'espace ici, une maille serrée. Voilà. Ensuite, là maintenant, vous allez faire
un picot. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans ma petite maille serrée que j'ai fait tout à l'heure et je fais ma maille coulée. Une bride. Une double bride. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je reviens dans ma première maille et je fais une maille coulée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je reviens dans ma première maille et je fais une maille coulée. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, pareil, je reviens dans la première. Une maille coulée. Et je fais une maille coulée. Vous voyez, hop. Là où j'ai fait la double bride. Je reviens dans ma double bride, dans une petite maille ici, et je fais une maille coulée. Voilà. Là, je fais une double bride toujours dans mon petit espace. Une bride. Ok. 1, 2, 3, 4, on fait un petit picot. Je reviens dans ma première maille. Ma petite maille coulée. Et toujours dans l'espace ici, une maille serrée. Voilà. Là, j'ai mes deux mailles ici de ma bride, de ma demi-bride. Donc, je rentre dans ma première maille et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. Ensuite, là, alors, je vous fais voir que ça donne ici. Voilà, vous voyez, ça fait le petit picot de partout. Je fais une maille en l'air. Je saute mes petites mailles serrées là que j'ai fait. Je rentre dans la maille de la demi-bride et de la bride, juste avant mon espace là. Vous voyez, hop. Donc si on compte, ça fait 1, 2 à la troisième maille. Ici, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. Et dans cet espace-là, on va refaire ce qu'on a fait ici. On va le faire encore ensemble. Allez, donc on continue. On va refaire ensemble sur cet espace-là notre jolie petite pointe. Allez, une maille serrée dans l'espace. 1, 2, 3, 4. On s'accroche à la maille serrée et on fait une maille coulée. On fait donc le petit picot. Hop. Voilà. Ensuite, une bride, une double bride, six, un, deux, trois, quatre, cinq, six, on vient dans la première maille, on fait une maille coulée, sept, 5, 6, 7. On rentre dans la première maille et on fait une maille coulée. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, une maille coulée. Voilà. On vient sur la double bride. Alors c'est vrai que c'est un peu sur le côté. On pique un. Et on fait une maille coulée. À partir de là,
une double. Une bride. Mmh. 1, 2, 3, 4. Un petit picot. Ici, dans l'espace, une maille serrée. Mmh. Ici, dans la maille de la bride, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Et là, on fait deux mailles en l'air. Hein? Rappelez-vous, pas deux, pardon, une maille en l'air. Voilà. On saute les deux mailles serrées. On va à la troisième maille. Et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et on recommence ici notre joli motif. Les petites pointes. Nos pointes. Allez, donc. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je rentre dans ma petite maille serrée. La maille coulée, petit picot. Ici, une bride. Une double. Et on va faire nos trois picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille coulée. La maille coulée dans la double bride. Hop. Voilà. Ici, double bride. La bride. Le petit picot avec les quatre mailles en l'air. La maille serrée, la maille serrée dans la maille, dans la maille suivante, une maille en l'air, on saute 1, 2, on va à la troisième maille, maille serrée, dans l'espace, maille serrée, et on recommence. La pointe. D'accord? Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin. Pour finir, donc vous avez fait votre motif, le petit picot, les deux mailles serrées. Et là, là où vous avez votre marqueur, c'est là où on va faire la maille coulée pour clôturer le rang, tout simplement. Voilà. Hop. Vous voyez que là, le marqueur, il sert à quelque chose. Voilà. Allez. Et là, on va tout simplement couper. Je cherche mon ciseau. Hop. On va couper le fil. Voilà. Allez, on rentre les fils. Alors ici, le fil qui est donc le central, là. Vous ne pourrez pas trop le serrer parce qu'à la base, vous voyez, hop. Il y a quand même un petit trou. Vous pouvez mettre une petite perle au milieu, un petit bouton si vous voulez, ou le laisser tel quel, à vous de voir. En attendant, celui-là, vous me le bloquez, vous coupez, on range, on bloque tout, on coupe tout, on range tout, on se retrouve. Voilà, votre petite étoile, elle est faite. Alors, il faut en fait maintenant la ranger, vous voyez, positionner, bien faire les petits picots. Vous voyez, et arriver à bien dire au coton de se placer dans sa nouvelle position. Donc vous avez deux solutions. Vous faites le blocage ou vous installez tout
sur votre table à repasser et vous faites avec une pâte mouille le fer à repasser. Pâte mouille, c'est quoi? C'est un chiffon ou un petit mouchoir en tissu mouillé que vous posez sur l'étoile et le fer à repasser que vous mettez sur le tissu mouillé. Le fer à repasser ne doit pas être en contact avec le fil, on est bien d'accord. Et ça va vous aplatir complètement l'étoile. Voilà, donc soit blocage, soit la pâte mouille. Ou sinon, vous avez la technique que je n'ai jamais faite, hein, j'avoue, le sucre ou la maïzena, apparemment, pour raidir les ouvrages et que l'étoile, en fait, soit toute raide, solide, en fait, hein, et pas souple. Voilà. À partir de là, vous mettez un petit fil et ça vous fait une étoile. Alors, soit l'étoile pour mettre au sapin, comme je disais, sur les tables, vous savez, entre les assiettes, ça peut être super sympa, de plusieurs couleurs, au mur, enfin, voilà. Vous faites la déco comme vous voulez pour Noël. Voilà, vous avez déjà cette étoile. Maintenant, on passe à la suivante. Allez, c'est parti. Alors, pour faire la deuxième étoile, c'est parti. On fait 3 mailles en l'air. Avec un cercle magique, hein? Pardon, ici, voilà. On fait, la base est la même que la première. Donc, 2 brides. 1, 2, 3. On refait 2 brides. Voilà. 1, 2, 3. 2 brides. Un, deux, trois, encore deux brides pour qu'on ait en fait six branches. Enfin, six comme ça. Hein. Un, deux, trois, quatre. Cinq. Voilà, on fait les 3 mailles en l'air. Là, on va resserrer. Et on fait la maille coulée sur la troisième maille en l'air qu'on a fait tout au début. Voilà. Hop. Et à partir de là, là, on peut serrer. Voilà. Voilà pour le début. Ensuite, hop, on fait une maille en l'air. On va mettre un marqueur sur cette maille en l'air. Là maintenant, on va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va dans la maille suivante, donc la bride, la deuxième, et on fait une maille serrée. Ensuite, là on avait 3 mailles en l'air. On va dans l'espace, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante de la première bride, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on fait ça tout le long. 1, 2, 3 dans l'espace. 1, dans la première maille. 1, 2, 3, 4, 5.
une dans la maille serrée et on continue. 1, 2, 3, dans la maille 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans la maille et c'est parti. 1, 2, 3, dans la maille, les 5, la maille serrée, 1, 2, 3, voilà. Et là, en fin de compte, ici, vous allez faire la maille coulée là où vous avez mis votre marqueur, c'est-à-dire dans la toute première maille. Et avec le marqueur, c'est facile à repérer. Voilà. Et là, vous avez donc des petites pointes qui se sont formées. Vous voyez, ici. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous, j'espère. Alors, maintenant, on reprend. Hop. Voilà. Alors, ici, vous rentrez dans l'espace là, vous faites une maille coulée. On se déplace tout simplement. Voilà. De là, 1, 2, 3. C'est considéré comme une bride. Ici, je rentre toujours dans l'espace. Une deuxième bride. Deux mailles en l'air. Toujours dans l'espace, c'est toujours le même. Deux brides. Deux mailles en l'air. Et encore deux brides. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça permet de se déplacer et d'aller dans l'espace suivant pour refaire la même chose. Voilà. Donc, je suis ici. Hop, on se met un peu sur le côté. Et on fait les deux brides. Deux mailles en l'air, les deux brides, les deux mailles en l'air et les deux brides. Un, deux, trois, dans l'espace suivant, c'est, on recommence. Deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, deux mailles en l'air, et deux brides. Un, deux, trois, et l'espace suivant. D'accord? Allez, donc vous me faites ça tout le long. Voilà. Et quand vous finissez, vous avez fait vos trois mailles en l'air et la maille coulée dans la troisième maille qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a fini. Ok ? Voilà. Ensuite, ici, on va faire 1, 2, 3. Dans la maille suivante, on fait une bride. 1, 2. Alors, dans la bride suivante, la maille,
dans celle-ci, vous allez me faire deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et on revient toujours dans la même maille et on fait une troisième bride. Dans la maille suivante, on fait pareil. On fait une bride, deux mailles en l'air et deux brides. Deux mailles en l'air. Une, deux. Ici. Dans les brides suivantes, une bride dans la première et une bride dans la deuxième. Et directement, on passe aux brides suivantes et on fait une troisième et une quatrième. Donc en fait, on fait, vous voyez, quatre brides, de suite, à la suite. Voilà. Ensuite, on refait ici la petite pointe. Donc là, vous allez faire les deux mailles en l'air. Là, dans cette première maille, vous me faites deux brides, deux mailles en l'air, et je reviens dans la même et je fais une bride. Dans la maille suivante, une bride, deux mailles en l'air, et deux brides dans la même. Deux mailles en l'air. Et là, je vais faire bride, bride, ouf, et bride, bride. D'accord? Allez. Une bride. Dans la maille suivante, une bride. Hop, je saute, je vais au prochain. Une bride. Et une bride. Deux mailles en l'air. Dans la suivante, une bride. Deux mailles en l'air. Excusez-moi. Ici. Oula. Deux. Ici. La deuxième, pardon. Un, deux. Et une bride. Dans la maille suivante, une bride. Les deux mailles en l'air et les deux brides. Voilà. Deux mailles en l'air. On fait la série des quatre. Un, deux, trois et quatre. 1, 2. Les deux brides. Deux mailles en l'air. Et une bride. Dans la maille suivante, une bride. Deux mailles en l'air. Et les deux brides. Deux mailles en l'air. La série des quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Et après, vous voyez, on recommence jusqu'à arriver à la fin. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez fait votre maille coulée, tranquille, pour clôturer. Ensuite, 1, 2, 3 et une bride dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles en l'air.
dans ce motif là. On rentre dans la première maille. Vous me faites une bride et une bride dans la suivante. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, vous me faites deux brides. Sept mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, juste à côté, vous faites deux brides. Voilà. Voilà. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride dans chaque. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On va travailler là sur les quatre. Donc, on rentre dans la première. On fait une bride, on fait les deux premières boucles et on garde sur le crochet. Maille suivante, les deux premières boucles, on garde. La troisième, pareil. Et la quatrième, pareil, les deux premières boucles. Et on fait toutes les boucles ensemble. Là, voyez, on a fait quatre brides ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens dans ma petite maille. Alors, pas ici. J'aimerais bien que vous me preniez un peu à l'intérieur. Voilà. Et vous me faites une maille coulée. 1, 2, 3. Ici, on arrive toujours pareil au motif qu'on est là. Donc, une bride dans chacun. Un, deux, trois. Ici, dans la maille suivante, vous me faites deux brides. Sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une bride dans la maille suivante. Et une deuxième dans la même. Deux, sept mailles en l'air et deux. Un, deux, trois. Ici, une bride dans chaque. Trois mailles en l'air. Là, on fait les quatre ensemble. Vous vous souvenez? Donc, je rentre dans la maille. Une. Deux. Trois. Quatre. Et je fais toutes les mailles. Et là, je fais un. 2, 3, 4, 5. Et je re-rentre et je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Et on recommence. Ici, une bride dans chacun. Un, deux, trois. Deux brides. Sept, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Deux brides. Un, deux, trois. Une bride dans chacun. Une. Et deux. Un, deux, trois. Et on recommence ensemble le petit picot et ainsi de suite. Je vous fais voir ce que ça donne. Alors, vous affolez pas, hein, regardez, moi aussi, ça ondule un peu.
Ça prouve qu'il faudra vraiment, vous voyez, bien le bloquer, celui-ci, comparé au premier. Vous voyez, là, pour le coup, il faudra bien le bloquer ou l'aplatir avec la pâte mouille. Et vous voyez, on fait, voilà, la partie pointue ici, petit picot au milieu. Vous voyez, voilà. Allez, finissez le rang. Alors, je vous fais voir la fin. Donc, ici, on avait fait les deux, là. Rappelez-vous, on est obligé de faire les trois mailles en l'air. Parce que là, c'était les quatre. Bon, rappelez-vous, c'est les quatre brides ensemble. Donc, j'ai fait mes trois dernières mailles en l'air. On est bien d'accord, hein? Je suis ici, vous voyez. Voilà. Donc là, je fais ma première, je garde. Ma deuxième, je garde. D'accord? Ça va être un peu, on va dire un peu spécial, hein? Ici, vous avez les trois mailles en l'air. Et là, vous avez votre maille, là, de la deuxième bride. Je rentre dans la deuxième. Ici, je ressors. Et vous voyez, ça me fait une boucle. Et là, un jeté. Et je fais toutes mes boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faut pas oublier le petit picot. Hein. Pareil, je rentre, je ressors. Je fais mon petit picot. Et je vais rentrer toujours dans la dernière maille. Je fais une maille coulée. Et là, je vais couper mon fil. Voilà. Faut un peu faire des astuces, hein, pour des fois finir. Faut pas hésiter avec le crochet à faire des astuces. Je dis pas le mot tricher, mais bon. Voilà. Alors moi, il ondule. Voilà, il a décidé d'onduler. Alors, vous avez la solution aussi d'étirer un tout petit peu votre. C'est pour ça que moi, je ne le ferme qu'à la fin, votre cercle magique, hein, parce que des fois, ça peut venir de là. Il faut que, vous voyez, ça s'installe. On a tendance, hein, à fermer le cercle magique de suite. Hein. Non, il ne faut pas. Vous me faites presque à la fin de l'ouvrage pour voir ce que ça donne. Parce que des fois, quand on serre ça, ça fait onduler tout le reste. Et vous voyez, il ondule beaucoup moins quand j'écarte. Alors, il ne faut pas non plus, hein, que ce soit trop. Hein, voilà, il ne faut pas qu'on voit le fil quand même. Vous voyez, il faut quand même que ça fasse propre. Donc, vous le bloquerez. On le lave, on le bloque. Ou vous le faites avec la pâte mouille, vu que c'est un petit objet de rien du tout. Hein? Voilà. Allez, vous me rentrez les fils et tout et tout. Et voilà, mesdames, vous avez deux étoiles avec, vous voyez, des formes différentes. Ça vous permet d'avoir le choix ou de diversifier. Comme je vous disais, vous prenez le fil de votre choix. Et je vous le redis, attention, plus le fil il est gros, plus votre étoile sera grosse. Et d'aspects différents, si par exemple vous prenez de l'acrylique et autres, plus le fil est petit, plus votre étoile sera petite. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez prendre comme couleur, comme fil, pour faire le rendu, suivant comment vous allez utiliser les étoiles et autres. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de Noël. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, suivant mon inspiration. vous avez aimé, n'hésitez pas à faire le petit pouce, hein. Venez me rejoindre sur Instagram, dont vous avez le lien en dessous, hein, mon Instagram des Lilou Crochette. Hein. Venez aussi nous rejoindre, si vous le souhaitez, sur le groupe Facebook pour partager vos photos et autres. Hein. Et surtout, n'oubliez pas que j'ai le blog dans lequel vous avez plein de docs, d'infos, des fiches, soit explicatives, soit avec des diagrammes. Il faut puiser dedans, tout est pour vous, il y a les vidéos, il y a des fiches, il y a plein de choses, vous avez la petite loupe pour faire la recherche, pour éviter de vous taper tout le menu, hein, malgré que j'essaye de tout bien ranger, voilà, hein. Donc n'hésitez pas, ça vous demande trois petits clics, Instagram, le groupe Facebook, le blog, vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez sans rien faire dans votre boîte mail. C'est moi qui fais tout le travail. Voilà, vous vous rendez compte, hein? Allez, venez.
Je vous attends, attention. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne étoile, hein, pour votre vie aussi. Et je vous dis à très vite et je vous fais un gros bisou. Mouah.